Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Fallout 4. C'est parti. Ouais, c'est Ibrahim hein, qui me participe. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Alors, attends, visage. Ouais, parce que Fallout 4, c'est bien, en fait, on peut faire différents trucs. Par Odyssey, ouais. Parce que Fallout 4, il vend pas mal. Je vais faire des choix et tout ça. Et ça reprend, je crois, après le 3, je crois. Ouais, c'est... Ouais, c'est comme ça. Style. Ah, style de coupe. Le jeu il a 8-9 ans je crois le jeu il a et c'est 2015 le jeu.
Soit je baisse de coupe. Soit. Bon, reste de J'aime coupe bien. là. Ça te donne l'air plus jeune. Couleur. Chant. Décoloré, ouais, non. Ça. Je trouve que cette nouvelle coupe me va super bien. J'adore ton visage. C'est comme ça. Ah, mettre ça, cette Dis-moi, barbe-là. tu préfères avec ou sans barbe? C'est mon beau gosse à moi, ça. C'est comme ça le corps, ouais, c'est comme ça. Ouais, extra. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est bon, ça termine. Ah, quoi que là, non. T'as déçu. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah, marrant. Ouais, pas mal. Bah, je suis à ta midi. Terminé, voilà. Oui. Nickel. Et là, normalement, on peut mettre vu. C'est très bien de côté. Pas changer de. Attends, les options. Commande. Affichage. Ouais, en vrai, ce titre, c'est jamais.
peut changer de vue. Nickel, ça. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius, comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le jour. Merci, Cotsworth. Bien sûr, monsieur. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Mon préféré. Vive l'Amérique. Je suis vraiment fier d'elle. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer de petit chaude. J'étais pas trop pour au début, mais Cotsworth est très gentil avec Sean. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. Tu peux aller ouvrir? C'est sans doute ce représentant. Il passe tous les jours. Bonjour, société Voltec. Voltec? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe, où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. D'accord, j'accepte. Très bien, très bien. Alors, voyons. Ah ouais, par rapport à Stella, qu'on mettait le nom du perso. Qu'on mettait le nom du perso. On va mettre ça. 90. Ouais, on va mettre ça. On va mettre ça. Allez, comme les compétences. Power. On va mettre 5. Force 6. Ascension. On va mettre 6. Endurance. On va mettre 7. Intelligence, on va mettre 2, agilité, 2, chance, 2, et en fait, après, on va faire une mesure, donc peut-être, enfin, voilà, comme ça, c'est bon. Et enfin, mesure, mettre plus de points, tout ça, voilà, j'ai mis à peu près comme ça, hop, j'accepte. Formidable, je crois que c'est tout, je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je
pense qu'il a besoin d'un câlin, papa, que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Quodsworth ? Allez, allez. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Comment se porte mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais, bonne idée. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth ? Et maintenant ? Attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi ? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui ? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite ! J'ai chaud avec vous. Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits... C'est vrai que je commence. Vous ne rentrez si pas. Je rentre, vous ne m'arrêterez hey pas. Non, non, du calme. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant. Pourquoi nous laissez-vous entrer? Adulte. Comme qu'est-ce adulte. Fiche de leur liste. C'est bon. Allez. Merci. Bonne chance, madame. Dieu nous vienne en aide. Ne pas. Allez à l'abri. Vous deux, suivez-moi. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté on de la barrière? Peu. Allez, dépêchez-vous. Monsieur, il faut descendre dans l'abri. Montez sur la plateforme. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh non ! Accroche-toi ! On peut pas aller plus vite. Aide-moi. Hey, trésor. Montez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Hey. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti... Voltec est à votre service. Tous. Vous êtes en sécurité. Merci d'avancer en ordre. Nous souhaitons la bienvenue. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Prenez une combinaison. Merci. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Tu vois ? C'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est au bout de ce couloir. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Pardon. On a tout perdu. Suivez-moi. Notre maison. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Vous serez bien ici. Ça me va bien, non ? La combinaison de l'abri est conçue pour être aussi confortable que chic. On est parés pour l'avenir, pas vrai ? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Ça va aller. Papa est là, tu vois ? Alors, fiston,
Je ne vais pas loin, je serai juste là. Le voilà, tu vois? Papa n'est pas loin. C'est bon? Entrez là-dedans et... Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez, allez, allez! Oh non! Tous les résidents de Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Ah, il est mort. Vous avez le fils. Bébé. C'est cassé. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance Voltec. Géant, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres?
Qu'est-ce qu'il reste ? Pas mal. Attends-moi, je reviens. Nickel, non. Il faut que je trouve ce terminal. Ben, je suis à côté.
Vous abonnez les gens, j'espère que ce nouveau live et cette nouvelle vidéo de ce nouveau let's play, j'espère que ce nouveau let's play vous a plu, si vous avez plu, mettez un commentaire, mettez un j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, et moi je vous dis à plus.